toucher des adversaires avec le harnais de manœuvre tridimensionnel ou des lances foudroyantes. Alors pour obtenir ces lances foudroyantes ou le harnais, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay à Anvil Square. À cet emplacement là, il y a la cave de Jagger, je vais vous la montrer. Ok, donc regardez, ici il y a le pont de Anvil Square. Et juste ici, dans ce bâtiment là, vous passez sur la gauche et là vous avez un escalier et vous avez la cave de Jagger qui est juste ici. Donc dans cette cave, vous aurez toujours obligatoirement la malle de bataillon qui est juste ici devant moi. Et cette malle va vous donner soit un harnais ou soit des lances foudroyantes. Donc si vous avez de la chance, vous obtiendrez les deux directement dans un coffre, comme moi je l'ai eu. Ou alors vous pouvez aussi trouver les harnais et les lances foudroyantes dans des coffres normaux ou posés au sol comme ça sur Fortnite. Après des malles de bataillon, vous avez aussi plusieurs emplacements, mais moi j'en connais qu'un seul à Anvil Square. C'est pour ça que je vous ai montré cet emplacement. Donc quand vous avez ces deux objets là, ce que vous pouvez faire, c'est cumuler les deux objets si vous avez les deux. C'est par exemple, regardez, hop, je vais utiliser mon harnais, donc hop, je prends de la hauteur. Voilà, par contre j'attaque, c'est pas bon. Voilà, là je prends de la hauteur. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est d'utiliser mes lances foudroyantes en même temps. Vous avez vu? Donc ça c'est assez stylé, vous pouvez cumuler les deux, après vous n'êtes pas obligé. Si par exemple vous avez que les lances foudroyantes, bah, vous cherchez un adversaire et vous lui infligez des dégâts avec les lances foudroyantes comme ceci. Bam. Voilà. Et si vous avez que le harnais, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement viser avec votre harnais comme ceci. Et dès que vous voyez l'adversaire, vous appuyez sur R2 pour l'attaquer. Donc là, je vais le chercher. Je sais pas où il est. Attends, il s'est volatilisé, je crois. Ok, il est là. Donc là, regardez, je le vise et je l'attaque avec R2. Voilà. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de toucher 7 fois le même adversaire, je pense. Ou alors 7 fois des adversaires différents. Donc là, ça fonctionne avec le même adversaire parce que je viens de le faire. Donc là, c'est bon. Alors par contre, là, il y a un temps de rechargement. Et votre harnais a une barre de vie. Donc plus vous allez attaquer, là je suis dans le rouge, plus vous allez attaquer, plus vous allez abîmer votre harnais. Et à un moment donné, il va se casser. Donc voilà, dès que vous aurez touché cette personne ou cette fois le même adversaire, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Okay.